Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Un petit unboxing d'une résine, et oui, une résine. On continue avec les résines. Alors ça fait un petit moment, non, peut-être 2 mois qu'elle est sortie celle-ci. Hop. Alors, je sais pas si je suis à l'envers. Commandé aux États-Unis directement dans une boutique américaine. Les connaisseurs reconnaîtront le carton. Bah tiens, je vais vous faire une vidéo prochainement. J'avais commandé plusieurs trucs il y a déjà un moment dans cette boutique en ligne. Il y a plein de trucs cool cette boutique. Ils font du japonais, bon, ils font surtout de l'américain. Mais il y a pas mal de bons jouets. Les prix sont raisonnables. Après, il y a les frais de port, il y a les frais de douane, bien sûr, mais bon, il y a des trucs qu'on ne trouve pas chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a un carton du sur-carton. Oh, c'est quand même gros, ouais. C'est du Iron Studio. Et oui, moi j'adore cette marque. C'est fabricant de résine Iron Studio américain. Hein. Est-ce qu'on voit ce qui est marqué? Non, il n'y a pas de dessin sur le sur-carton. Juste la marque Iron Studio. On voit Master of the Universe E-Man. Et oui, c'est du Musclor. Dessin animé mythique. Musclor. Hein. Par la puissance du crâne ancestral. Avec les éclairs qu'il y a derrière là. Mythique, mythique, mythique. On adore. En anglais, c'était Grayskull. Bah, le château, hein. Castle of Grayskull, le nom du château en anglais. Mythique château. Là, je suis en train de faire le pot. Ah ouais, d'accord. Non, alors là, c'est des poupées russes, là. C'est des poupées russes. Alors, il y a un carton sur un sur-carton d'un sur-carton. Bon, bah, au moins, c'est protégé, là, celui-là. Hein. Ah non, je dis des conneries. C'était... une protection que j'ai pas vu la boîte de couleur. Ah quand même. Et voilà, on va le mettre à l'endroit. Ouais, ben, il y a encore une protection dessous. Il y a des protections dessus, dessous. Oh, elle est jolie la boîte. Je découvre avec vous, hein, comme d'hab. C'est du indice, comme beaucoup de Sideshow. Iron Studio, pardon. Vous voyez la boîte. Ben, je suis calme, cache. On en voit là entier, ouais, en entier. Très belle boîte. Hein. C'était pour les 10 ans de Iron Studio. Ben voilà, ça fait 10 ans que Iron Studio, on le voit là-haut. C'est là-haut, ouais, là-haut. 10 ans d'Iron Studio. Ils ont fait Skeletor aussi. Un ami l'a acheté, je l'ai vu. Moi, j'ai pris que Imen parce que voilà, j'ai déjà pas beaucoup de place. Bon, c'est du indice, c'est pas gros, mais quand même. Mais j'ai vu Musclor. Il me le fallait. Il ira très bien à côté du Cosmo Cats de Star Lion. Il y a un peu la même position avec l'épée en l'air, quoi. Mais franchement, je vous conseille Iron Studio. Ils font du indice, ça prend pas beaucoup de place. C'est vachement bien foutu. Ils font beaucoup d'Iron Man aussi, d'Iron Man de Marvel, de DC, Comics. Et là, j'en fais une Robocop, je sais pas. J'ai mis sur mon Facebook, ma page Facebook, Strega Collector. Vous pouvez aller voir. J'ai mis des photos du Robocop. Il y a plein de gens qui ont dit oui, la voiture est pas en entière, nanani. D'accord, je veux bien. Mais les gars, c'est l'affiche du film. L'affiche du film, elle est comme ça. On voit que la portière, quoi. Quand il ouvre la portière, on voit pas toute la voiture. Et voilà, c'est une scène. Moi, je trouve là, il y a Robocop, il est en entier, il a son gun. Franchement, je la trouve incroyable. Moi, en tout cas, je le vais la préco direct quand elle sera. Elle n'est pas encore en préco, hein. Elle était juste dans le salon aux États-Unis. Dans un salon de figurines. C'était la Comics Con, je crois. Je crois que c'était la Comics Con, ouais. Alors là, il est bien scotché, hein. C'est tout le tour. Bon, moi, c'est scotché. Alors, je vais faire tout le tour aussi. Non, c'est très bien scotché, même. Ils devraient tous mettre ces straps. Je propose tous ce scotch-là. C'est un peu. Vraiment bien scotché.
Là. Non, mais même pas. Oh la vache, il y en a partout. Ah, je suis comme un gosse, je veux ouvrir ce truc. Ah, c'est bon, salut. Ah, voilà. Voilà la bête. Voilà comme ça se présente. C'est emballé dans du papier. Voilà. J'ai pris la version deluxe. Oui, ah oui, je vous ai pas dit, je vous ai pris la version deluxe avec le château. Ah ouais, parce qu'il fallait le château. Mais oh là 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 là. Oh. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Mais c'est pas beau ça. Franchement, j'aime déjà bien. J'aime déjà même très beaucoup. Les jambes de Musclor, de Iman. Et il y a deux positions. Les fameuses épées. On dirait qu'elles sont... Sur métal. On dirait du métal, les épées. Je crois que les épées sont en métal. On va mettre les deux positions, hein, parce qu'il y a deux positions. On verra laquelle je vais mettre. Oh là, ouais, ok. Regardez-moi ça. Magnifique, franchement. Pour du indice, c'est vraiment, vraiment joli, quoi. Je sors tout et on monte ça ensemble. Après, c'est jamais long à monter, les Rune Studio. C'est du vite fait. Regardez ça. C'est avec l'épée levée. Ben ouais, il y a deux torses, quoi. Faudra choisir le bon, en fait. C'est ça. Il n'y a rien d'autre, non. Il n'y a rien d'autre. Ah, j'ai pas pris mon... Bon, je recherche après. Alors, on voit le château. On voit dessous... Master of the Universe. Iron Studio. Un dixième. C'est la Deluxe. Et elle n'est pas numérotée. Non. Mais il n'y en a plus. Hein. C'est pas numéroté. C'est bizarre que ce... Non, mais c'est vrai qu'il ne numérote pas souvent Iron Studio. Mais il y en a... Je ne sais pas. Peut-être que je la trouvais encore. Hein. Moi, en tout cas, sur le site de Big Daddy... De Big Bad Store. Pardon. Il n'y a plus. En tout cas, la premium. Peut-être que l'autre, il y a encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met des... Les jambes, de toute façon, ça, c'est unique. Hein, les jambes. Regardez ça, ça s'emboîte nickel. C'est au fond, il n'y a pas de... Ah, le officiel, c'est quand même autre chose. Hein. Et là, on peut mettre... Alors... Attends. Parce que là... Ah, c'est... En plus, c'est monté. Non, mais regardez ça. Petite pièce comme ça, c'est monté. Petite pièce comme ça, c'est monté, les gars. C'est pas la classe, ça. Il faut d'abord l'enfiler dans la main et la mettre. Elle est cool comme ça aussi. Gardez ça, il est pas badass un peu, Iman. Et c'est la classe, ça, non? Franchement. Ah, elle est cool aussi comme ça. Mais avec le bras levé, c'est... Je sais pas, avec le bras levé, c'est le bras levé, quoi. Et puis ça tient tellement bien que... Elle ne veut plus se sortir. La base n'est pas aimantée parce qu'il y a il y a un petit pic hein, qui va au fond. Mais tout le reste est aimanté, le corps est aimanté. Mais celle-là... Oh là 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 là. Attends. Il faut que je la mette à l'endroit. Ah non, je fais comment? Là. Voilà. Mais... Attends. Un truc là. Ah oui. Ok. Ah ouais, c'est bien aimanté. Ah, puis tu peux la... Tu peux la tourner. Bizarre ça, tu... Non, non, ça doit... Ok. Bon, comme ça. Comme ça, c'est cool. Non, ça tient bien, hein. Regardez. Hein. Oh, attention. Oh, ouais, ça tient. C'est aimanté. Mais on peut la tourner un peu. Alors, je sais pas si c'est fait. Ah non, mais comme ça, il est mythique. Ah, mais j'adore. Franchement, bah, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires laquelle position vous préférez. L'autre est bien aussi. Hein. Après, je sais pas si dans la version normale, il y a les deux trucs. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas le château derrière. Il y a juste les pierres en bas.
Mais je crois qu'il y a quand même les deux torses. Il faudrait, je ne me rappelle plus. Ça fait un moment que ça fait presque une année que je l'ai commandé. Je me rappelle plus. Là aussi, hein, Arion Studio, les délais, ils proposent, ça sort quand ils disent. Hein, c'est cool. Moi, j'ai pris chez cette boutique, mais le copain qui a commandé directement sur la boutique Arion Studio, il a reçu facile un ou deux mois avant moi. Parce que là, le temps qu'ils reçoivent, c'est des boutiques américaines, c'est des gros trucs. Ils dispatchent et voilà. Je n'étais pas pressé, moi, c'est pas grave. Il n'était plus en fissure à Rune, je crois, quand je voulais commander. Puis il l'avait chez eux, dans cette boutique. Moi, je crois que je l'ai laissé comme ça. Ah ouais, non, je l'ai laissé comme ça. Non, elle est incroyable. Non, franchement, j'adore. Ouais, franchement, je regrette pas. C'est quand même, tu as dû un 10, mais c'est quand même gros, hein. Bon, un 6, ça aurait été. le château, ça aurait été comme un. Ouais. Cet imán mythique, il me fallait un truc imán comme ça, un 10, nickel, ça prend pas non plus trop, ça prend comme un peu, surtout le château, mais le château, il est monstrueux le château. Hein. Ça, franchement, sans château, ça m'aurait pas dit de la prendre, mais là, avec le château, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Voilà pour ce imán Musclor de Iron Studio, un dixième. Moi, je vous fais la présentation de tout près, hein, comme d'hab. Et je vous dis à tout bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, c'est de s'amuser. Bye bye!